Les acteurs doivent être pris à la sortie du lit. Ils ne parlent pas, ils sont bougons. Quelques spectateurs s'en vont, ils ont bien raison. Tous les spectateurs seront en chemise de nuit. Ils peuvent apporter un livre en répétition s'ils s'ennuient. S'ils le veulent, les acteurs peuvent offrir des cadeaux aux comédiens mis en vente à l'entrée du théâtre. Des livres de coloriage, des bonbons miel pour la gorge, des petits gâteries. S'ils le veulent, ils peuvent leur prendre la température. Mais les acteurs doivent vraiment la réclamer. Certains acteurs aiment montrer leur fichier public. Je les méprise! Certains acteurs sont plâtrés, ils ont toujours rêvé d'avoir un plâtre. La lumière s'éteindra doucement et nous entrerons au pays des songes. À ses cris, à
c'est rire d'abord, elle aimait cache-cache. Puis Jean Sandy s'écrit soudain. Puis je sortis du bois. Cette histoire, je souhaite qu'elle ne vous arrive jamais. J'ai rêvé de vous, monsieur. Vous étiez mon assassin. Mon homme arrive trop tard. Les hommes arrivent toujours trop tard pour nous sauver. Puis ils éclatent ensemble pour la presse. Je vous donne mon adresse. Vous entrez dans la salle de bain. J'étais complètement nu dans ma baignoire. Je me frottais vigoureusement. Vous n'aviez pas l'air bien méchant, soudain. Mais j'ai quand même crié. Par pudeur, j'ai glissé. Je me suis tendu le crâne contre le robinet. La mousse est devenue toute rouge. C'était très beau. Je suis sorti du bain à tête fracassée. Je n'y voyais rien, la pièce était pleine de buée. Mon mari n'arrivait pas. Vous tentiez aveuglément d'abuser de moi. C'était complètement absurde. J'ai dérapé de nouveau et je me suis emballé sur votre sexe en forme de couteau. Je me suis emballé dans le rideau. J'avais pourtant dit qu'il fallait le jeter, ce rideau. Il est plein de calcaire et de crasse. Du coup, je sors de la salle de bain sans le vent. Les enfants hurlent. Ils me prennent pour un revenant. Je me traille de bousailles. Je suis borne maintenant. Je me demande où viennent ces crucifix. Ils ont encore dû plier une tombe. Comme ça, je pense que je suis quelqu'un d'assez incroyable. Une fois
chaud. Je me fais un esclandre si je n'obtiens pas la peine capitale, la guillotine. Je ne vois pas d'autre solution pour moi, non. Ou l'hôpital psychiatrique à la rigueur. Mais non. C'est la mort qu'il me faut. C'est la mort. La mort ! La mort ! La mort ! Je veux servir d'exemple. J'y tiens. Je suis navrée. Vraiment navrée pour la famille qui n'avait pas. Je me cache. Moi, je peux me cacher maintenant. Oui, c'est vrai. C'est juste. Vous avez parfaitement droit de me huer. Huez-moi, s'il vous plaît. Huez-moi plus fort. Huez-moi dans le fond, je ne vous entends pas. C'est mou, tout ça. Vous êtes mou. Ça donne presque envie de vous tuer. Mais bon, ça n'arrangerait pas mes petites affaires. Ce n'est peut-être pas le plus judicieux pour mon dossier. Et puis surtout, non, ne priez pas pour mon salut. Non, laissez-moi errer sur les lieux de mon crime pendant des centaines d'années. J'aime bien les lieux. J'aime bien l'endroit. J'aime bien le patron. C'est un gros fasciste. Mais bon, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit complice dans cette histoire de meurtre. Vous devriez l'interroger. C'est un autre chose que je vous dis. Mais d'avoir dormi dans ces viscères, vraiment, ça m'écœure. J'en ai plein les cheveux. Regardez, ça pend. Il faut absolument que je me lave. Il m'a saigné dessus, chien. Mais je n'avais même pas bu. Je bois tous les soirs. Et là, je n'avais même pas bu. Je n'en finis pas de me surprendre. C'est beaucoup d'émotions. Je veux bien un verre d'eau pour décompresser. Oh là, je vais me mettre à pleurer maintenant. Non, je ne veux pas que les gens me voient dans cet état-là. Non, non, partez maintenant, sortez. Vous n'avez pas une conscience en affaire. Partez, sortez maintenant, sortez. Partez. Partez, sortez. Je me souviens de l'appétit que j'avais de sa bouche. Oui,
Je me souviens de ses fesses, fendues comme des prunes. Et tous ces souvenirs emplissaient ma chambre. On nous dit la loge d'une cantatrice, et le lustre était à présent un rhododendron énorme. Et je sentis soudain ma couverture se durcir. Je sus que j'étais à présent dans mon tombeau fleuri. Je sus que je reposais non plus dans mon lit, mais dans ma dernière demeure. Je sus qu'il était venu pour moi le temps de la nuit. Je sus qu'elle était merveilleuse. Au plafond, je vis quelques pissenlits. Je les mange par la racine. C'est bien ici. C'est calme. La prochaine fois que tu viendras au monde, préviens-nous à l'avance. Qu'on puisse anticiper ta venue, préparer ta chambre. Si tu viens la prochaine fois, on prépare le monde mieux que ça. Là, le monde, il est vraiment moche, tu vois. Nous n'avons pas d'argent pour toi. Nous n'avons pas de temps pour toi. Nous n'avons pas d'amour pour toi. Casse-toi! Va donc pas! Et ne reviens pas! Casse-toi! Casse-toi! Tellement lourd, elles s'endorment plus de 100 ans. Elles s'éveillent lorsque tout va mieux, lorsqu'arrive le prince charmant. Je trouve ça très facile, personnellement. Pendant 100 ans, c'est la guerre. Et les maisons s'effritent comme des châteaux de sable. C'est la guerre des larves, des boules et des cafards. Et tout le monde se gratte. Tout le monde a la gale, ou la lèpre, ou de l'eczéma. Et le ciel est noir, lourd de mauvais présages. Et les rats mangent les restes des cadavres. C'est le règne des chiens errants, de la vermine, des blattes et des gauchers. Et les hommes incendient les récoltes. C'est le règne de la peur. Mais elle dort, notre princesse. Plus loin, dans une contrée pleine de merveilles, un jeune prince grandit. Il a les cheveux d'or, il est gentil. Et ce prince galope vers notre dôme élaboré. Il traverse notre pays en ruine. Il court vers la princesse, elle s'éveille. Il s'embrasse. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Nous sommes costumés en fantômes pour que vous ne puissiez pas reconnaître que nous sommes les acteurs de la comédie de Limoges. Nous sommes ici, incognito. Nous sommes recherchés par la police. Nous avons commis des crimes affreux. Le théâtre est un bon endroit pour tuer les gens collectivement. Pour commettre un acte terroriste. Je dis ça si jamais. Les spectateurs sont en confiance. Vous ne nous suspectez pas. Nous avons empoisonné les Limougeaux en leur offrant des choses à la Cambrance. Et ils ont tous mangé leurs choux parce qu'ils sont moins. Ils en profitent. C'est gratuit. Puis ils sont tous morts, vous erreurs après le spectacle. Le temps pour eux de la digestion. Le temps pour nous de la fuite. Bien joué. Ils viendront. Ils passeront dans les rangs comme une planteuse de moutons. Et nos filles perdront leur virginité sans avoir été sorties. Elles sentiront les théâtres et les cuisses maculées de sang. Vous saurez pourquoi les fauteuils du théâtre sont rouges maintenant. Et vous partirez, spectateurs. Vous rentrerez chez vous en campant. Il est venu le temps du théâtre d'horreur. Et vous n'êtes avec comme des mulots. Vous courrez dans la ville. Vous la prendrez, votre mille et trempée. Vous vomirez par jet. Et vous n'aurez plus de respect entre vous. Et vous ne vous retournerez plus. Vous poursuivrez votre course jusqu'au sud de la France. Vous nous entendrez gronder. Elle vient, l'armée des morts. Et vous tomberez d'épuisement au Vatican. Et puis, vous achèterez un bas de miniature pour votre père. Vous ferez du tourisme comme ça. Monaco, le jardin des plantes, poussé par la peur, vous visiterez
Florence avant de vous échouer dans la mer Adriatique et de vous noyer comme des corps parce que vous ne vous êtes pas mis un peu dans la nuit. Vous mourrez dans le sang. Vous n'auriez pas des enfants à aller chercher à l'école, par rapport à l'école.
Vous n'auriez pas un rendez-vous très important par hasard? Vous n'auriez pas un rendez-vous impossible à décaler? Un rendez-vous avec la mort? Ouais. Cassez-vous maintenant! Ouf, dehors, cassez-vous! Cassez-vous! Avec le cidre, le jus d'orange, le vin, les gâteaux de chocolat.